Troisième année que les classes de Creil travaillent en collaboration avec le programme S'Aventurier. C'est un programme développé par le Centre de Recherche Interdisciplinaire. L'ambition du dispositif est de s'appuyer sur les méthodes et enjeux de la recherche pour construire des apprentissages rigoureux et productifs. Cette année, deux classes ont choisi de s'intéresser à l'usage et à l'impact de la robotique dans notre société. La réflexion a commencé autour du thème « La vie demain ». Ils ont choisi de modéliser le comportement de robots utiles à la société. Le robot taxi, le robot qui protège la population, le robot éboueur, le robot qui ramasse les déchets dans la mer et le robot pompier. Plume et plus. Certains oiseaux font preuve d'une grande capacité d'apprentissage et s'ils observaient, allaient nous en apprendre plus sur nous. Pour ceux, ils peuvent modéliser à l'aide de robots ou de films d'animation. Ensuite vient le temps du défi. Pourrions-nous proposer de nouvelles situations-problèmes à des oiseaux sauvages ? Le projet Héro, Mytho, Mi-Robot regroupe deux classes de CM et une classe de 6e. Après avoir lu des livres et fait des recherches sur les super-héros et les héros mythologiques, les trois classes ont abouti à la même problématique. Comment devenir des super-héros ? Mais pour trouver la réponse, chaque classe a suivi une piste différente. Les muscles. L'ADN. Les cellules. Maintenant, les élèves sont en train de modéliser leurs découvertes en biologie à l'aide de robots et de films d'animation qu'ils présenteront lors du congrès. Bien. Bonjour à tous. Bienvenue à ce deuxième congrès des jeunes chercheurs aventuriers créillois. Bonjour à tous, et premièrement, les aventuriers École de la Recherche que vous connaissez, parce que ça fait plusieurs années que nous travaillons avec Creil et nous avons l'immense honneur de travailler avec vos enseignants et avec vous tous élèves. Alors, je ne sais pas ce qu'est cette succession d'adultes, alors qu'on n'attend qu'une seule chose, c'est de pouvoir découvrir les projets enthousiasmants des classes créilloises. On va les écouter dès maintenant. Je vous demande une salve, un tonnerre d'applaudissements pour les chercheurs de la vie. Vous pouvez voir à l'écran quelques photos et vidéos des prototypes que nous avons réalisés. Notre simulation. Nous voulions que le robot se promène et dès qu'il aperçoit un feu, il s'arrête et actionne le jet d'eau. Je me tais et sans autre forme de procès, on va laisser la parole à la classe de Madame Jumeaucourt qui a été assistée par Mathieu, je crois, en tant qu'ESAP. On a dû chercher, puis on a cru que le filet pouvait attraper les poissons en même temps que les déchets. Le robot policier, il aide la police quand il entend un voleur, il fait des petits bips maintenant sur les mêmes. Nous avons rencontré des problèmes pour programmer. Pour cela, nous avons cherché des documents. Par exemple, un piéton. On veut que le robot roule doucement en ville et plus vite sur autre route. Le problème rencontré, c'est que les bras étaient trop petits, donc on a dû les démonter et en mettre des plus grands.
On applaudit les sixièmes de la classe de monsieur, enfin, t'as pas de classe, hein, les sixièmes de monsieur Denonner, qui est professeur d'EPS. Donc, l'histoire a commencé il y a bien longtemps. Bien avant les super-héros. Au temps des héros mythologiques. Eh monsieur, mythologique, ça veut dire qu'il mentait tout le temps? Mais non. La notion de mythologie est généralement utilisée pour décrire des ensembles de récits, dits mythes, liés à une civilisation ancienne. Au cours de cette période, nous avons fait des recherches sur les différents dieux et héros antiques. Et nous avons même réalisé une pièce de théâtre. Lors de nos recherches, nous nous sommes rendus compte que ces super-héros ont tous été victimes d'un accident entraînant une mutation de leur ADN. Maintenant, la question est de savoir comment peut-on modifier notre ADN et donc nos gènes. La méthode CRISPR-Cas9 ou cisogénétique. Cette méthode permet de modifier nos gènes en coupant une partie de notre ADN. On insère d'abord dans la cellule la partie d'ADN que l'on voudrait remplacer. Intervient ensuite le Cas9, une enzyme qui va couper cette partie. Enfin, les scientifiques vont combler la coupure par le nouveau fragment d'ADN inséré auparavant. Ainsi, l'on peut remplacer un gène défectueux par un gène sain. En attendant de devenir des super-héros, nous sommes des aventuriers! Ben, on va avoir le détail du fonctionnement de ces muscles avec la classe des CM2 de l'école Freinet de M. Gans, que je vous demande une fois de plus d'applaudir très 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 fort. Voici la vidéo expliquant la modélisation que l'on a fabriquée en stop motion. Le muscle se contracte, les tendons tirent sur l'os qui entraîne le mouvement du bras. Enfin, sur Internet, on a étudié le muscle squelettique pour découvrir les fibres musculaires. Ces fibres musculaires sont constituées de cellules musculaires. Là, on voit le dioxygène et les nutriments qui passent par les artères pour arriver au muscle. Ici, on voit la réaction chimique qui permet de créer de l'énergie. Ici, dans la veine, on voit les déchets créés par la réaction chimique, dioxyde de carbone et autres déchets. Maintenant, on a des pistes pour devenir des super-héros, mais on souhaite plutôt être des scientifiques. Troisième et dernière partie du projet Héros, Mytho, Mini-Robo avec les CM1, CM2 de l'école Rabelais. Après avoir fait ces découvertes, nous avons fait une expérience pour voir les cellules d'oignons à l'aide d'un microscope. Nous avons constaté qu'elles ressemblent à un mur de briques car elles sont collées et hexagonales. Mais ce n'était pas suffisant, donc nous avons fait une expérience pour voir à l'œil nu de l'ADN. La banane avait subi une mutation génétique. Elle était devenue comme les X-Men, un super-héros. Elle avait donc des super-pouvoirs. Parler, voler et lancer des pots de banane sur ses ennemis pour les faire glisser. Nous, on n'est pas comme les autres. On n'aime pas travailler sur ce projet. On en a assez de super bananes. Tout le monde est autour de lui. Oh, super banane, t'es trop fort, c'est le meilleur. On n'en peut plus. Tous les six, on s'est appelés les anti-super bananes. Je vais vous demander, vous avez compris comment ça fonctionnait, de les applaudir bien fort pour qu'ils puissent nous livrer la meilleure présentation possible, la classe de CM1 de Monsieur Lauriac. On a observé des oiseaux avec des jumelles et non plus un appareil photo. On a pris en photo des oiseaux dehors, dans la cour de récréation ou dans le couloir. Nos oiseaux, là, nous avons eu l'idée de créer des oiseaux végétaux avec des fleurs, des feuilles, photocopiées, découpées et collées. On vous laisse regarder quelques photos. Agatha est une ornithologue et une éthologue qu'elle travaille sur les perruches et les corvidés. On lui a posé des questions comme est-ce que les oiseaux peuvent faire leur nid sur l'eau? Est-ce que les oiseaux peuvent voler avec une aile? Est-ce que les hommes pourront communiquer avec les oiseaux? Elle nous a répondu par mail. Donc aujourd'hui, on accueille les CM2
de l'école Louise Michel, la classe de Madame Joëlle Lefort pour le deuxième épisode du projet Plume et Puce. Grâce à Twitter, nous communiquons avec les aventuriers d'autres classes et Agatha. Ensemble, nous partageons nos informations qui venaient des documentaires. On s'est posé une question avec des camarades. Cette question est-ce que les oiseaux ont été testés à part ou à plusieurs? Nous pensons que c'est plus facile d'observer un oiseau à la fois que plusieurs. L'autre question qu'on s'est posée est pourquoi un oiseau préfère-t-il prendre l'outil plutôt que de la nourriture déjà disponible? C'est pour ça qu'on s'est dit que l'outil permettrait d'accéder à plus de nourriture ou peut-être plus appétissante. Nous avons commencé une portière robotisée. Nous nous sommes demandé comment font les pies pour apprendre. Pour savoir cela, nous nous sommes d'abord demandé comment nous on fait pour apprendre. C'est le moment de se quitter. Bravo, vous avez été hyper sage.